Consommer bleu, blanc, rouge, voilà le message que veut faire passer le ministre Arnaud Montebourg. Ici, pas de costume cravate, mais une marinière, un robot et une montre made in France. Le ministre veut même des rayons dédiés dans les supermarchés. Un patriotisme qui touche plus ou moins les consommateurs. Je fais pas du tout attention au, si c'est made in France ou quoi que ce soit. Je regarde si c'est écrit en français, déjà, et puis après le reste, je m'en fous. Je regarde les produits que j'achète et j'essaye, quand je peux et que les prix n'est pas trop élevé, de prendre français. Car acheter français peut coûter cher. À y regarder de plus près, même sur cette photo, c'est du haut de gamme. 49 euros la marinière, environ 200 euros le robot, 690 pour cette montre. Rares sont aussi les industriels 100% tricolores. Même le fabricant de la marinière, porté par le ministre, le reconnaît. Il ne produit que la moitié de sa collection en France. Il y a une partie significative qui est fabriquée essentiellement dans le Maghreb. Et ce mix entre le Maghreb et la France nous permet d'avoir des coûts de revient qui sont raisonnables et qui sont compatibles avec un marché mondial. Des limites au 100% made in France, mais le ministre du redressement productif persiste et signe, comme lors de cette visite dans une usine de moteurs. Il veut aussi conduire français. À la sortie de ce conseil des ministres, il part en voiture électrique. Un petit air de déjà-vu, 38 ans plus tôt. André Jarreau, ministre de la qualité de la vie, est arrivé à bord d'une R5 électrique bleu ciel. En 81, Michel Jobert, ministre d'un gouvernement de gauche, gare sa Renault 9 dans la cour de l'Élysée. En 93, François Mitterrand se fait filmer au volant d'une Twingo. S'afficher dans une voiture made in France, une posture économique et politique devenue un grand classique.